Bentley, pour une fois, on va pouvoir prendre date dans nos agendas, puisque vous êtes là pour nous dire qu'il y aura un concert hommage de Michel Legrand la semaine prochaine au Grand Rex à Paris. Oui, ce sera les 17 et 18 avril, spectacle dont LCI est partenaire. À la base, c'est Michel Legrand, Pascal, qui devait donner ces deux concerts, mais le compositeur et pianiste aux trois Oscars nous a quittés en janvier dernier. Il avait 86 ans et Michel Legrand avait dit à son entourage qu'il souhaitait à tout prix que ce rendez-vous soit maintenu. C'est chose faite. Deux soirs de suite, ses amis vont se succéder sur scène pour lui rendre un dernier hommage en musique. Regardez ce que ça va donner. La musique de Michel Legrand est intemporelle, universelle et sera immortelle. Vous l'avez vu, Pascal, sur scène, on va retrouver les chanteuses Nana Mouskouri et Nathalie Dessay, le trompettiste Ibrahim Maalouf, le saxophoniste Michel Portal, mais aussi le big band de Michel Legrand. Deux concerts menés sous la direction, vous l'avez vu, de Richard Galliano, que vous venez d'entendre, compositeur, accordéoniste et immense artiste de jazz. Sur scène, vous le voyez, il y aura aussi la chanteuse Marie Aubert, qui a chanté dans la comédie musicale Les Parapluies de Cherbourg et plus récemment dans Peau d'âne. Elle sera donc aussi de la partie. Vous pourrez redécouvrir, bien sûr, les plus belles chansons de Michel Legrand. Grand, les demoiselles de Rochefort, l'affaire Thomas Crown, Un été 42 et bien sûr Peau d'âne et les parapluies de Cherbourg, des musiques de films intemporelles. Il y a encore quelques mois, Michel Legrand confiait, moi si je n'écris pas, si je ne joue pas de musique, ma vie n'a plus de sens, la musique est en moi, elle m'accapare. Le public a lui du mal à se séparer de cet immense artiste et de ses mélodies inoubliables. C'est pour ça, Pascal, que Michel Legrand sera célébré une dernière fois les 17 et 18 avril prochains. Ce sera au Grand Rex à Paris et il reste quelques places, donc n'hésitez pas à y aller.